Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Donc, monsieur le ministre, bienvenue dans l'opposition. Vos déclarations passées ne peuvent que réchauffer nos cœurs, tant il est vrai que depuis 2 ans et demi, nous nous sentons seuls dans l'appréhension de ce que devrait être notre justice. Mais avant, pourriez-vous nous éclairer? Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de couleuvres et vous avez retiré votre plainte pour cette atteinte inadmissible à votre vie privée et au secret professionnel. Alors, monsieur le ministre, vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas? Chut. Pardon. Un peu de silence, s'il vous plaît. Non, vous avez raison, on n'est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me pose monsieur le député. D'abord, vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie. C'est déjà compliqué pour moi. C'est une première. Mais... S'il vous plaît. Mais laissez-moi. Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas. Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Et pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. Mais ce serait bien. Cela fait 3 fois que ma parole a été alors. Celle d'un homme libre. Ma parole sera celle du ministre de ce gouvernement. L'idée que l'on se fait de la justice. Mais ça va pas. Continuez.